Bienvenue dans Love Buzz, ici on écoute les albums pour que tu puisses avoir un avis dessus. Alors cette semaine, je vous parle de Toy Blow It qui sort son deuxième EP, From Scratch. Un EP, si tu sais pas ce que c'est comme un album, mais en plus petit. Ah bah non, c'est pareil. Bon, en fait, c'est comme un album, mais avec moins de chansons dessus. Toy Blow It est un groupe français composé de trois musiciens. Une fille à franges sautillantes à la guitare et à la voix. Une fille en petit short moulant à la basse. Et un mec barbu à la batterie. En fait, j'y réfléchis, ça me va très bien. En gros, pour vous les décrire, c'est les Runaways en plus inquiétant, les Subway en beaucoup plus crade, et surtout les Stooges, mais sans la quéquette Didi. Enfin, je crois. Attendez, je vais vérifier quand même. Non, c'est bon, il n'y a pas à mandalire dans les remerciements, c'est que les filles du groupe ne doivent pas avoir de quéquette, ça va. On dit toujours, mieux vaut pas beaucoup et bien, que beaucoup et pas terrible. Et même si c'est vrai qu'en général, c'est un gros puceau de malheureusement 35 ans qui dit ça, c'est pas forcément faux. Là par exemple, il y a seulement 4 chansons et elles sont toutes d'une efficacité redoutable. C'est simple, chaque ligne mélodique est absolument géniale et va s'installer pendant un petit moment dans ta tête. On va être super bien ici. Bon, faudra peut-être refaire la peinture, mais on va être bien. En plus, pareil, c'est super calme, il se passe absolument rien. Oh regarde chérie, il y a une baie vitrée. From Scratch ne dure que 9 minutes, c'est court, certes, mais pour les éjaculateurs précoces, ça peut être un super plan. Alors qui c'est le précoce? Qui c'est qui a tenu tout un album cette fois, hein? Et puis l'EP a quand même été produit par le mec qui a fait Seven Nation Army. Seven Nation Army, non? Rien? Bon, par le mec qui a fait po. Merci le rugby, t'as beaucoup fait pour la musique. Le mix est génial, agressif, et la voix est proche de Jeff Buckley. Alors pas forcément dans la tonalité, mais tout simplement parce qu'elle aussi est noyée. Sauf qu'elle, c'est sous un flot de musique. Le petit Gregory Mix, comme on dit chez les professionnels. Et en plus, pour tous les fans de mode, le P est disponible en deux coloris. En orange, pour un côté décontracté qui dit oui, je m'entretiens, mais je ne crache pas sur un petit four au foie gras de temps en temps. Et en vert, pour un côté plus moderne qui dit oui, je suis peut-être trader, mais j'achète l'album des enfoirés, ça me donne bonne conscience. Vous l'avez compris, je vous conseille vraiment le P de Toy Blow It qui s'appelle From Scratch, qui prouve qu'en France, à part faire des comédies musicales sur à peu près chaque événement historique. Oui, Gwendoline, est-ce qu'on sait si Stromae a validé qu'on transforme sa chanson en Gaza ou Thé? C'est vachement important pour la comédie. On sait aussi faire bon rock qui tâche. En plus, il est trop bien parce que tu peux te déguiser avec ce P. Regarde, magie. Ha ! Hippopotamus, Voldemort !